Ma descente au challenge. Ah, ah, je parle que de challenge. Sans parler, ma copine, assieds-toi d'abord. Tu sais que c'est le marché des beaux garçons. Des... Wow. En tout cas, moi, je vais y aller chercher le mien. Tu vois, ça, par exemple, et pour la boîte. Tu vois, non? Je pense que cet été-là, le jaune-là, c'est ça qui donne. Ça va briller comme ça là. J'aime le stylo qui passe avec. Quand je vais arriver là, ce n'est que moi qu'on verra. Ouais. En fait, j'hésite. Soit ça, ou bien la robe noire. Tu vois, non? Oh, c'est très beau, c'est très beau. T'as vu? J'aime bien le robe là, c'est vraiment beau. Est-ce que tu as même vu la fermeture qu'il y a derrière? Oh. Regarde. De haut jusqu'en bas. Quand les garçons vont voir ça, ils vont tous devenir fous. Et je pensais que pour la soirée, non, pour le sard d'abord. Tu sais que cette année, c'est Afro qui a la mode, non? Sport. Donc quand je vais mettre ma petite jupe ci, aïe, avec mon corsage. C'est très beau, moi j'aime bien la couleur là, ça. Ouais. Je crois que ça, ce sera pour le terrain. T'as vu ça? Non, mais c'est trop de style. Attends, alors pour couronner le tout, ça, c'est pour la soirée. Wow. Avec ça. Là, c'est un peu la vacances. Quand je vais mettre ça, ce sera au moins 5 ingénieurs. Tu as vu? Cette année, ce n'est que les cartes de visite. Les numéros de téléphone sur les bouts de papier. Là, moi, je ne prends plus ça. Seulement les cartes de visite. Ou bien? Oui. Oh, en tout cas. C'est du sur-mesure. Tu as vu? Regarde bien. Ah, ma copine. C'est bien cousu. En tout cas. Oh. Moi, quand je te dis ça, ce sera super. Ah, ma copine, tu étais venue tirer les dos que tu me dois là. Hein? Hey, maman. Je prends ça pour te donner maintenant, non? Tu sais que depuis là, je ne travaille même pas. Regarde, voilà, voilà les factures alignées là-bas. Le dos est dur, Tu n'as pas les dos, mais tu veux go challenge. Ah, toi aussi. Laisse, non, n'est-ce pas, je comptais appeler mes pigeons, là. Allô, mon chéri Max. C'est comment, bébé? Oui, c'est vrai que ça fait un bail. Est-ce que tu me gênes même encore? Ah, donc tu sors du boulot, là. Hé, hey, mon chéri, Asia, ouais. Mais dis-moi un peu, tu comptes aller au challenge cette année? Si je ne t'invite pas, hé, vraiment vous les camés, ici, toujours en train de pleurer l'argent. Vous jobez ça part même ou non? Hé, hey, pardon, je Wanda, tu me vois ça? C'est quoi? J'appelle celui-ci. Il me raconte sa vie, un rien ton comme ça là. Pas possible ça. Et tu n'abandonnes pas? Attends, je vais essayer autre chose. Allô mon chéri Akono. Ah bébé, te fâche pas, toi aussi. Toi-même tu connais le pays sinon, les occupations et tout ça. Oh bébé, laisse-nous. Ah, toi aussi, ne te fâche pas. Oh chérie, dis donc, laisse-nous ça. Écoute-moi plutôt. Bébé, tu sais que le challenge c'est bientôt, non? Waouh, tu vas y aller aussi?
moi, Rosie, cotiser pour le carburant et autres. C'est une blague. Quoi? 100 quoi? 100 euros? Hey! Pardon. Va avec ta vieille voiture là. Regardez-moi celui-là. Un salaud comme ça. N'importe quoi. Je dis, qu'est-ce qui t'amuse même toi-même d'abord avec ton livre de maths là? Tu te rends compte? Quoi? Le salopin si! Je l'appelle. Il me demande de cotiser 100 euros pour le carburant. C'est bien fait pour toi. C'est pour acheter le terrain. Abandonne ma copine. Toi aussi, je ne peux pas abandonner.